Après Burkina Faso et aussi la Guinée, on sera au Bénin aujourd'hui à Cotonou avec Stéphanie Montio qui va nous faire le point des activités culturelles durant l'année 2013 du côté du Bénin. En tout cas, le tableau est fourni. Elle aura l'occasion en tout cas de nous faire vivre ou revivre certains événements qui se sont déroulés en 2013 et aussi faire des projections sur 2014. Voilà, le menu, vous le connaissez. La première partie se compose de brèves d'activités culturelles ayant marqué la Côte d'Ivoire ou encore le continent. Et la seconde partie se fait avec les téléspectateurs via Facebook, www.facebook.com/ on garde le contact et aussi en direct 22 40 12 54. Si vous êtes en dehors de la Côte d'Ivoire, vous précédez ce numéro du plus 225, sans oublier que des micro-trottoirs et aussi des consultants sur ce plateau nous permettent de comprendre les sujets qui sont exposés ici. Alors, le best-of se fera avec Bidéfer. Apprêtez vos mouchoirs, on vous le dit tout le temps. Et Bidéfer est là aujourd'hui dans toute sa splendeur. Bidéfer, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. D'habitude, c'est vous qui porter la critique. Aujourd'hui, vous serez critiqué. Est-ce oui. que vous êtes stressé? Est-ce que vous êtes serein? Non, le contraire, je vais apprendre. Je vais apprendre, je vais comme critique. Oui, je suis d'accord, je vais comme critique. Ouais. D'accord. En face de vous, nous avons invité M. John Tra, Dr. John Tra. Il est le président fondateur de l'organisation Kweni, qui est une organisation qui regroupe les gourous. Voilà, aujourd'hui, on aura l'occasion de savoir que les gourous sont des Kweni. Voilà. Lorsque vous êtes gourou, vous êtes Kweni de facto. L'organisation a cette particularité de naître en dehors de la Côte d'Ivoire, dans le Maryland, aux États-Unis d'Amérique. Et leur objectif, c'est de fédérer toutes les énergies, toutes les valeurs et tous les talents gourous sur le territoire ivoirien. Et le docteur est avec nous. Docteur, bonjour, bienvenue. Merci. En tout cas, ça nous a paru vraiment particulier parce que lorsque les autres vivent dans la diaspora, on vient pour faire envie aux autres. Mais vous, vous venez vraiment rassembler les uns et les autres, reconnaître leurs talents, leurs mérites, leurs valeurs. Et créer, en tout cas, cette communauté de partage. C'est ça. Disons qu'après 23 ans aux États-Unis, bon, on n'a rien à prendre des États-Unis. Maintenant, on est prêt à partager ce qu'on sait des États-Unis et de son développement avec nos frères. Parce que rien ne sert d'aller à l'aventure si tu ne reviens pas. Et donc, on revient pour faire partager ce qu'on sait avec les frères. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Et le secret des États-Unis repose sur la communauté. On voit les grands businessmen, mais les États-Unis sont fondés sur le peuple américain. Voilà, donc chacun se bat chacun pour que la communauté avance. Donc les individus avanceront, certainement. Ça, et chose marquante, c'est qu'il y a quelques jours, vous avez décerné des médailles. J'ai un exemplaire ici de médailles à tous les Kweni, nous on les appelle les gourous, à tous les Kweni qui font avancer le pays. Ça, et ça, c'est la médaille de Dekao Jean Failou, désormais. Kweni. C'est ma patronne, hein. Dekao Jean Failou est responsable production RTI Musique. En tout cas, elle a eu sa médaille. Sur quelle base les médailles ont été attribuées? Disons qu'on a regardé dans le passé et on a cherché ceux qui ont contribué d'une façon ou d'une autre à l'émergence de la communauté. Et on est allé chercher, on a posé des questions et certains noms ont été avancés. Et parmi ces noms, la sœur Failou a été nominée. Et vu les efforts qu'elle a faits en faveur de ceux qui travaillait à la radio, à la RTI, on a trouvé qu'elle méritait d'être honorée et donc encouragée pour les efforts qu'elle a déjà faits. Donc, il y a eu des élèves qui ont été nominés et décorés parce qu'on s'est dit que ça, ce sont les espoirs du futur. Donc, si quelqu'un agit bien, c'est à la communauté de lui reconnaître ses talents pour lui dire merci. Et cette médaille a été produite aux États-Unis et envoyée ici juste pour dire merci à tous les Kweni. Je la mérite ou Non, si je la garde, je deviens bon, D'accord, on aura l'occasion d'en parler au cours de cette émission, madame, monsieur, docteur John Tra, président fondateur de Kweni Organization. You're welcome. Hein? Thank you, however you live out of the country, but you're welcome in Côte d'Ivoire. Yeah. Bienvenue en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Les brèves, c'est tout de suite et maintenant. Nous commencerons ce bref par des nouvelles de Yopougon. Vraiment, les nouvelles ne sont pas bonnes côté Yopougon parce que
hier, dans l'après-midi, un immeuble, vous allez avoir les images tout à l'heure, s'est effondré. Bidéfer, vous venez de la commune de Yopougon. Oui. C'est désormais presque une habitude en Abidjan. Les immeubles descendent. Ça devient inquiétant. Oui, c'est-à-dire, c'est désolant. Mm-hmm. J'habite à 500 mètres, je suis juste à 500 mètres de là. Oui, et je vous dis, il n'y a même pas longtemps, le mois dernier, j'ai fait une émission d'une heure de temps sur Gam où j'ai attiré l'attention des autorités de ce pays, le ministère de la Construction et le directeur régional de la construction de Yopougon et le maire, pour leur dire il y a des constructions qui sont faites à côté des caniveaux, ou alors des constructions qui sont faites sous des terres vraiment où ça dit qui ne sont pas solides. Et des gens construisent même sans tenir compte de sous-bâtiments. Donc est-ce que la direction, l'antenne de Yopougon, ne pouvait pas aller voir ces bâtiments-là afin de voir s'ils sont dans les normes? J'ai même indiqué certains bâtiments. Hein. J'ai même dit, allez au niveau de Yopougon, au niveau des carrefours policiers, rentrez dedans, vous allez voir, il y a un caniveau. Vous allez voir deux bâtiments qui se trouvent. En fait, on en a parlé le mois dernier, qui se renseignent, ils vont le savoir. Mais comme il y a un laxisme, des gens construisent sans tenir compte quand même des normes, sinon quand même. Il y a une antenne du ministère de la Construction à Yopougon. Pourquoi lorsque quelqu'un construit, l'ingénieur qui est là-bas, l'architecte qui est là-bas, ne peut pas aller sur le terrain pour vérifier? Et on attend toujours que ça se gâte. J'ai dit bien, le mois dernier, j'ai attiré l'attention du ministre de la Construction, du directeur régional de la Construction de Yopougon et du maire de la commune de Yopougon pour dire, attentionnez à l'ingénieur à la Selmer. Lorsque tu es à côté du Monzatro, et de l'autre côté, il y a un caniveau. Un caniveau, c'est même pas un terrain. Déjà, on construit un immeuble. Même mon ami Lucien Pardo a construit son studio là, au bord de ce caniveau. Mais demain, quand ça va tomber, tout le monde voit, personne n'en parle. On leur dit, personne n'en parle. Ce qui est alarmant, c'est que le mois dernier déjà, où il y a deux mois de cela, c'était du côté de la Riviera qu'il y a eu un drame de ce genre. Je pense que c'est toujours important et c'est toujours bien d'attirer l'attention, d'alerter l'opinion. John Tra, vous voulez dire quelque chose? Disons que je pense qu'avant de construire un bâtiment, il y a les géologues qui doivent venir faire des analyses pour voir si le terrain n'est pas argilo-sableux et s'il n'y aura pas de mouvement de terrain. Bon, si ce n'est pas fait et qu'on construit là-dessus, il ne faut pas être surpris. Il n'y a pas de démon là-dedans, il n'y a pas de sorcier, il n'y a pas de fétiche. C'est la science qu'il faut simplement essayer de respecter. En tout cas, respecter les normes, ça va nous éviter des frayeurs et des drames de ce genre. Alors, l'embouteillage que ça crée à Yopougon aujourd'hui est monstre, au-delà des victimes d'hier. Oui, mais c'était monstre. Le truc a eu lieu depuis 15 heures et c'est à 19h que l'ONU est venue avec les sapeurs-pompiers, avec des groupes pour déblayer le coin. Ça veut dire que nous n'avons pas même un comité d'urgence en cas de sinistre. C'est pas de 15h, c'est jusqu'à 19h qu'on a commencé à déblayer le coin. Mais ça veut dire quoi? S'il y a des vies humaines, on devait souvent ne pas les sauver. Et toute la situation était bloquée quand tu quittes le marché Pauvre 2 pour venir vers Maroc. Mais c'était bloqué partout, même ce matin, comme je vous ai dit qu'ils sont à 500 mètres. Pour quitter la venir encore, il y avait du monde. Un immeuble, il y a de l'eau. Ça veut dire, ils ont fait rembler là. C'était rembler, ils ont mis là. Ils ont mis du sable là pour rembler le coin. Et avec ça, on laisse quelqu'un construire 5 étages. Et vous allez voir, Marcoury, c'est un zone remblayé. Les gars, on laisse encore des gens construire des immeubles. Vous verrez. Pour dire quelque chose, dans la ville où je vis, les bâtiments au standing ne sont pas autorisés. Il y a des terrains sur lesquels on n'autorise pas la construction de bâtiments en hauteur. Voilà, en tout cas, je pense qu'il s'agit là d'alerte d'opinion et absolument des choses sont en train d'être faites. Hein. Je pense que ça s'organise, les secours ont eu accès au site. Depuis ce matin, j'en ai vu se passer à côté. Depuis ce matin, les secours sont en train de travailler. Vraiment, ils sont en pied d'œuvre. Devant Dieu, il faut reconnaître que les secours sont en pied d'œuvre. C'est vrai qu'ils sont arrivés en retard, mais vraiment, ils sont en pied d'œuvre. En train de faire un très beau travail. C'est en train de faire un beau travail. Mais un beau travail pour déterrer des cadavres, bon, bref. On compatit en tout cas à la douleur et à la souffrance des personnes concernées, directement concernées par ce drame. La suite, une nouvelle un peu plus reluisante, c'est la décoration des Kouéni. Voilà, le docteur John Tra est avec nous, président fondateur. Fatou Koulibaly va nous emmener quelques images de cette décoration qui a eu lieu à Yopougon le 4 janvier 2014, donc samedi dernier, à la locodrome de Niangon, terminus 27. La première question qu'on peut vous poser déjà, docteur, sur quelle base, voilà, Dekaojan Failou, voilà, on la reconnaît, voilà. Sur quelle base les récipiendaires ont été choisis? Bon, comme j'avais dit plus tôt, c'est le peuple qui choisit ses leaders. Et on a décoré des chercheurs comme le professeur, le chercheur Fouabikou, notre doyen,
qui a inventé des espèces d'igname et qui nourrissent la Côte d'Ivoire. On a décoré les femmes du marché Gourou, grâce à qui on parle au moins le Gourou dans ce pays. Donc, il fallait leur dire merci pour tout l'effort qu'elles font. C'est un marché très célèbre, très marché Gourou, un bon marché, un bon ambassadeur du peuple Kony. C'est ça. En tout cas, les femmes nous représentent agréablement. Et il fallait leur reconnaître ce mérite-là. Et puis, il y avait un individu, un jeune comme ça, qui a été décoré à cause de l'humilité avec laquelle il sert les autres. Et on voit que de nos jours, bon, l'impolitesse gagne du terrain, bon, l'âge ne sert plus à rien. Donc ce jeune-là, il a été décoré sur cette base-là. Et il y a celui qui a traduit la Bible en Gourou devait être décoré parce que c'est la première fois en Côte d'Ivoire qu'une Bible est traduite dans une langue locale. Donc le pasteur Zré Emmanuel a été décoré. Et donc ainsi de suite, individuellement, sur des critères consensuels, nous avons... En tout cas, vous rendrez service à la Côte d'Ivoire. Un bon vivier pour le peuple Kony, mais aussi pour la Côte d'Ivoire. Il y a pas mal de savoir-faire au sein de cette tribu-là. J'aimerais dire quelque chose. Allons-y. Ce qui m'a ému pendant cette cérémonie, c'est qu'on a eu à voir un pain tissé en 1800 par le Kony. 1800. Et donc, la jeune fille, je ne sais pas si elle est là, mais vous verrez le pain qui est là et qui dépeint toute la culture du peuple Kony en 1800. C'est dire qu'avant même, les Baoulés sont arrivés en 1743 environ. Et donc, déjà, le pain Gourou, qu'on nomme maintenant le pain Baoulé, était déjà là, installé, et avec tous les artifices et la géométrie sur le pain. Donc, c'était beaucoup. Ok, vous faites référence au peuple Kony, les régions ou les villes concernées sont Bédiala, Bono, Boafle, Goïtafla, Gonaté, Oumé, Saint-Fra, Vavoa, Zuenoula. Le glissement se fait comment? De Kony à Gourou. Non, disons que lorsque le colon est arrivé, il était en contact avec les Baoulés. Et donc les Baoulés étaient à côté du sous-groupe Kony, qui est Gra. On ne sait pas dans quel micmac ce nom est devenu Gourou, mais certains disent que c'est la reine Pokou qui a appelé ses voisins d'à côté Gourou. Tout est-il que les Gourou eux-mêmes s'appelaient Kony. Et donc, puisqu'ils s'appelaient Kony et que nous voulons aller à l'authentique, à l'origine, pour recommencer notre développement, et ce développement-là s'est arrêté en 1913, après la guerre de résistance des peuples contre la colonisation, lorsque le colon a imposé les taxes aux différents groupes. Il y a eu une révolte un peu partout. Et donc, les Kony ont été matés sévèrement. Et donc, c'est là que la traversée du désert du peuple Kony a commencé. Et donc, depuis 1913, les Kony sont vraiment divisés. De nos jours, on parle de division, mais les Kony entre eux sont très divisés. Et donc, vu cela, la synergie ne se fait pas pour développer. Donc, c'est à cause de tout ça, nous avons dit, 100 ans après, le désert, on doit cesser de vivre dans le désert. Notre traversée du désert doit s'arrêter. Nous devons venir ensemble, reconstituer nos différents groupes et ensemble, aller vers le développement. Parce que si tu ne te développes pas, personne d'autre ne le fera pour toi. Et on le dit ici, sur ce plateau, le changement commence par un bout. Et vous avez commencé par le bon bout. Bidefer, voici un concept, une opération, sinon une association baptisée Kony Organization. Organisation Kony, je le dis en anglais. D'accord, organisation Kony, née aux États-Unis, dans le Maryland, et qui va venir faire en sorte que les rapports entre les individualités et les communautés du peuple Kony soient raffermis. Ouais. Opinion? Il faut dire que moi, ça ne me surprend pas, parce qu'en Côte d'Ivoire, nous avons des groupes qui sont très solidaires. C'est-à-dire, tu vois, les Gourous, les Atiers, et puis en fait, les Dioula, c'est des gens qui sont très, 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 très solidaires. Et quand tu vas les autres sont solidaires quand même. Non, ils ne sont pas. Non, je vous dis la vérité. Quand tu vas, par exemple, à Yopougon, il y a un grand bar et c'est uniquement les Gourous. Et quand tu vois un artiste Gourou qui chante, tous les Gourous sont autour de lui afin de propulser. Ils ont tout. Ils se réunissent tous les samedis pour mettre des actions de développement dans leur région. Ça, je connais, je le vois. Et même quand tu vas dans les marchés, toutes les femmes Gourous ont une association où elles cotisent de l'argent pour que si demain elles font palabre, parce que c'est un peu palabreux, ça
Donc, il continue de l'argent pour que demain, s'il y a des histoires et qu'on envoie des choses, c'est frais médical, et puis ils vont payer de l'argent. Mais c'est un peuple beaucoup plus solidaire. C'est différent des peuples Kourou, où c'est des gens qui sont beaucoup très égoïstes. Hein. C'est dû. Moi, je suis Kourmen, c'est de quoi je parle. Hein. Tu peux trouver un Kourmen, un haut cadre qui est là, qui va réfléchir à réunir des cadres. Hein. Mais je dis, les gourous, je dis que ce qu'ils ont fait, c'est très bon. Et ça encourage les gens, et chacun est prêt à porter à sa région, pour que sa région reconnaisse que mon peuple reconnaisse ce que je fais, et c'est encourageant. D'accord. Les brefs continuent donc avec le Massa. Vous allez avoir le logo du Massa, le Massa 2014. Voici donc le logo officiel, le retour du Massa en mars 2014. Les inscriptions sont terminées, les participants sont connus. En tout cas, vous aurez une suite à cette information concernant le Massa et aussi progressivement. On vous donnera les grandes étapes qui vont constituer la campagne 2014 du Massa. La suite, c'est avec ce document broadcast qui a été produit par l'équipe de production en collaboration avec Prospérité Group. Vous étiez là, Guy Defer, lorsque les jeunes gens avaient micros et caméras pour voir comment est-ce que l'émission se déroule, comment est-ce que la mise en place se fait. Oui. Le produit est prêt, le voici tout de suite et maintenant. Ta vieille-mère, ta Oman, ta Téperès, tes Péro, lâche la boucle de Diassa. Bravo, on est si fort. On reste en bon niveau, dans une gamme simple, quoi. On garde le contact. C'est comme ça, hein, donc. Fatou. Allô? Allô, excusez-moi, je parle à Fatou, pardon. Mohamed Kanté. Donc, si je ne donne pas mon nom. Voici la méga star Guy Defer. Guy Defer, c'est une légende vivante. Non, mon cher. On a deux légendes aujourd'hui, pas de Guy Defer. Imaginez un peu. Nous, le petit là. Ça, c'est pas bon. Ok, là. L'émission, on garde le contact. C'est le contact avec l'homme. Et c'est le contact avec la parole directement, pas d'intermédiaire. Et on se parle directement. Voilà, ça, c'est clair. Bonne émission. Je suis très heureuse d'abord de maquiller à Mohamed Kanté, qui est notre animateur, vous êtes à RTI2, et puis dire aussi qu'il a une très bonne émission. Ça me touche, mais je reste debout. Je m'ai touché, je reste debout. Tu sais, toute vérité a pas mémoire. C'est déjà très bien parti. Aujourd'hui, ça influence beaucoup de jeunes qui sont une, deux, trois en train de capter sur la 2. Et à cause de ce genre de petites choses, les films, les émissions par ici, par là, surtout ton gars de contact, les gens sont tout le temps là en train de cliquer sur la 2. Gardez le contact avec Mohamed Kanté. Ce qu'on appelle un gars de contact, il y a fort. C'est pas sorcier, c'est tout simplement de dire. On garde le contact. Peace and love. Bye bye. On se chatte surtout pas. Bien.
sommes en best-of depuis ce lundi parce que c'est la première semaine de 2014. Il faut passer en revue les performances et les faiblesses du programme. C'est pour cette raison que vous avez en tout cas eu l'occasion de rentrer dans les coulisses de cette émission depuis ce lundi aussi. Les interventions des chroniqueurs sont soumises à votre jugement pour que chacun apporte son opinion sur leur prise de parole, sur leur façon de voir les choses. Bruit des faits aujourd'hui dans la lucarne et dans seulement quelques instants, l'on va vous diffuser des morceaux choisis de ces interventions. Mais avant cela, nous partons tout droit au Bénin, à Cotonou, retrouver Stéphanie Montio. Stéphanie, bonjour, êtes-vous là? Bonjour. Bon, on vous perçoit. Bonjour, plateau. D'accord, on a un léger problème, Stéphanie. Est-ce que vous m'entendez? D'accord, le temps que tout rentre en ordre avec Stéphanie, on vous rappelle que lundi, on était en direct avec la Guinée-Conakry, avec Guénab Barry, animatrice à Diversity TV. Le mardi, avec Brissano, animateur au Burkina Faso, sur Ouaga FM et aussi sur BF1 TV. Aujourd'hui, Stéphanie Montio de Akajou Communication et elle gère l'équivalent de Midi Première là-bas au Bénin. L'ORTB, vous connaissez bien, oui, vous êtes bien apprécié. Oui, ah bon, je connais bien le Bénin, je connais bien, j'ai un ami béninois. Donc je connais bien Ouida, Madou, la chanteuse béninoise, je l'ai découvert pour la première fois au Bénin. Voilà, donc j'ai vu Bénin. Le Bénin, c'est un beau pays en tout cas. Je vois Bénin, Porto Novo, Boïcon, Parakou, vraiment je connais un peu. Quoi. Et la culture ivoirienne. Et la musique ivoirienne, oui. Il faut le dire, est bien appréciée du côté du Bénin. Oui, les artistes ivoiriens sont bien appréciés au Bénin, bien accueillis au Bénin, quoi, en toute sincérité. Ouais. D'accord. Est-ce que nous pouvons aller du côté du Bénin où la liaison est mauvaise? On va certainement reprendre Stéphanie Montio si tout se passe très bien. Mais avant, on va aller avec la grande transition BDFR. Dans seulement quelques instants, vous aurez l'occasion d'apprécier vos performances sur ce plateau. Beaucoup de choses se font du côté de la régie. Une grande ambiance là-bas. Hein. Fatou Koulibaly au contrôle de toutes choses. Et nous espérons que tout va bien se passer. Alors, on a mis par coup de l'émission déjà une opinion, un plateau d'interactivité, de libre opinion. Ça vous inspire quoi? C'est très bien parce que lorsqu'on n'a pas de feedback des écouteurs, des téléspectateurs et du commun des mortels, on ne sait pas où on se trouve. Alors qu'une émission sert à parler au peuple. Et c'est bien que vous avez utilisé les nouvelles technologies, le Facebook, le Skype et puis le trottoir. Le trottoir et aussi le téléphone. Le téléphone. On se revoit tout de suite. Il est gagné évoqué sur le lac à aimer, car le temps est serein, Bénin. Je vais à Yaoundé, Yaoundé, la capitale. Elle peut faire dîner encore. Quitter là, quitter là. On ne sait pas d'où on quitte, mais on nous dit de quitter là, quitter là. Non, non, non. Il n'y a qu'à avoir des tests, que de dire, regardez ma chaussure qui parle, la chaussure qui parle, la chaussure qui parle. Il est sur sa fille, que mes regards, tes camarades sont grandes. Toi, tu sors, tu viens, tu n'apportes rien. Une fille qui ne travaille pas, je le dis et je le répète, un père qui est responsable, ta fille ne travaille pas. Elle sort le soir à 18h. Elle revient le lendemain matin à 7h avec graines, oignons, viande, du riz, tout. Et tu l'accueilles, tu fais à tout. Ça ne t'inquiète pas d'où ça sort. C'est dangereux. C'est-à-dire, vendre sa fille pour manger, c'est de l'irresponsabilité parentale. Ton âge n'a pas pu te nourrir. C'est la petite fille là, à 18 ans qui te nourrit. Mais c'est grave. Quand je vois des gens jouer des trucs pour dire demain, c'est cheval qui va rentrer. À ton âge, tu vis, tu peux pas te nourrir. C'est viande qui t'a cherché l'argent pour te nourrir. Grave. Et un homme, quand il t'a produit, il va vouloir que tu joues avec dans tous les funérailles de ses familles, de ses parents, tout, tout et tout. Ils sont prêts à Yopougon. Ça, je vous dis, c'est pas d'eux on parle. Tous les jours, on parle. Je dis, à force de parler, un jour, on va avoir hernie sur ce tableau, sur ce plateau-là. Ce n'est pas bien. Non, il faut. Pas. Oui, mais attends, dis-moi, quand tu prends un homme comme un professeur d'anglais, pour être toi ton conseil sur la culture, pour te parler de la culture, il va te dire quoi? Non. Il va te dire quoi? Il y a des gens, chaque fois qu'ils ne sont pas quelque part, ils pensent que ce qu'on a fait, ce n'est pas joli. Ce que Kounou Doudou a fait, mais pas plus, c'est le fait de laisser primer les patrons. En Côte d'Ivoire, pendant qu'on est en train de parler de l'émergence 2020, on vend 6000 cassettes et on est meilleurs. 6000 cassettes vendues pour, le meilleur, pour la meilleure vente en Côte d'Ivoire, non, c'est une injure pour la Côte d'Ivoire. Je suis normal parce que chaque fois quand j'en parle, on ne m'écoute pas, je pense que j'étais fou. On chante, si tu sais chanter, tu chantes. Quand tu ne sais pas chanter, tu t'étais. Moi, je ne sais pas chanter. J'ai fait du théâtre. Mon ami Jean-Claude Zago, lui, il s'est fait théâtre. La dernière fois, il a sauté cassé. Lui aussi, il dit chante. Après, il dit on a piraté. Lui, Zago, tu as chanté quoi, oh? Viens, on va aller s'asseoir. Quand tu prends 200 millions, tu dis à tes ministres, je vais faire un film, ça fait 200 millions. Il dit quoi?
Tu fais quoi avec tout ça? Il s'étonne, mais ça pas, il est ignorant, il ne connaît rien du tout. C'est grave. Alors quand la Côte d'Ivoire est le premier pays producteur de café et de cacao, mais il y a combien de personnes qui boivent cacao ici en Côte d'Ivoire? Il n'y en a pas, je trouve inadmissible qu'un BT s'assied ici, qui mange du riz, qu'un coulmé que je suis, pour manger du riz, au lieu de téléphoner à Taïwan pour dire envoyez-moi du riz. Alors qu'on me traite du riz. Et je le répète, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de manager. Le manager, je le prends au sens large du terme, terme tel qu'il est pratiqué partout dans le monde entier. D'accord. Quand quelqu'un quitte ici en Côte d'Ivoire, il va s'asseoir à Paris, il reste là-bas, il vient parler. S'il y a des managers ici, pourquoi ils courent parler là-bas? Qui veut rester ici? On va vous l'encadrer. C'est les droits des copies privées. Quand vous signez ça, ça veut dire quoi? Tout support audiovisuel qui entre en Côte d'Ivoire, il a un pourcentage qui revient aux artistes. C'est-à-dire que ce soit CDVS, KUSD, Magneto, Trivio, tout, quand c'est donné depuis le pôle aéroport, il y a une partie qui vient. Ça peut rapporter 20 milliards de francs par an aux artistes de Côte d'Ivoire. Il suffit de prendre un biquet, c'est comme ça. Fier. C'est tout. Signé simplement. On a qu'à s'attendre les pilotes, ça veut dire qu'on a qu'à être d'accord avec voler. Ça veut dire que nous, voler, on a qu'à s'attendre. Ça veut dire que voler, nous, on doit faire camaraderie. Parce... En fait, c'est un désaveu, ça veut dire qu'on ne peut plus rien faire. On est coincé, voler, nous, on a qu'à faire à tout. C'est la meilleure description de ça qui reste. Bon, on va faire ça, les enfants. Il faut accepter de se faire critiquer. Si tu ne veux pas te faire critiquer, quitte le milieu. Quand on parle d'un caméraman, c'est celui qui prend une caméra pour chercher l'acteur, chercher l'action. Mais pourquoi? Tu prends un cadreur, il est arrêté. On m'a dit, tu rates, tu sors, coupé. Terminé.